Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MLHY Gaming Zone. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons tester Dead Target Zombie de chez VNG Game Studio. Alors, c'est un jeu qui est sorti le 12 juin 2015 et c'est le premier de la série car il existe un numéro 2 que je n'ai pas encore testé, mais qui est moins bien noté que le numéro 1 sur le Google Play Store. Donc le numéro 2 a une note de 3,9 et celui-ci a une note de 4,5 sur le Google Play Store. Et c'est un FPS à mort les zombies et vous allez voir comment se déroule le jeu. Alors je suis désolé si j'ai pas fait de vidéo gaming tout de suite, parce que normalement c'est à peu près une par semaine. Là j'ai retardé un peu l'échéance, on va dire ça comme ça. Donc je m'en excuse, il s'est passé quelques petits trucs qui ont fait que je n'ai pas pu sortir la vidéo tout de suite. Donc pour le coup je vais sortir celle-ci, j'en sortirai une deuxième assez rapidement pour combler un peu les trous. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui est en français. J'ai déjà fait une partie du tutoriel pour voir un peu ce que ça donnait. Je me suis dit, tiens, on va en faire une vidéo parce que comme vous savez, j'aime bien tester les jeux, mais surtout les jeux gratuits. Donc celui-ci est gratuit. C'est vrai que c'est cool de pouvoir s'amuser gratuitement, mais au bout d'un moment, vous allez vous retrouver, on va dire, presque bloqué et ce sera très difficile d'avancer sans acheter des articles. Donc, soit vous continuez malgré la difficulté, soit vous prenez un peu de facilité, vous achetez des articles pour avancer un peu plus rapidement et rebloquer peut-être plus tard. Donc, je vais tout de suite vous emmener sur le gameplay pour voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, on est équipé, on a des armes, on a des grenades, on a plein de choses comme ça. Alors, je crois que j'ai plus de grenades. Hop, il y a des boosters. On peut activer avec des lingots d'or. Alors ça c'est mon équipement. J'ai un pistolet et un MP5. Les grenades ça coûte 50 lingots d'or. Et bah dis donc, bah j'en ai plus. J'ai 4 kits médicaux. Bon bah c'est parti. Allez, on y va. On va faire un petit combat. Alors vous voyez, zone de visée, changer d'arme, recharge, tirer. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Alors je vous dis, graphiquement, il est vraiment pas mal. Et aujourd'hui, il y a environ plus de 10 millions de téléchargements à l'heure actuelle. Alors, touchez pour continuer. Je vous laisse la petite cinématique. Oui, alors l'histoire du jeu, c'est que suite à des produits chimiques, et ben, il y a eu une attaque de zombies, c'est un peu le scénario classique quoi. On va se concentrer un petit peu et essayer de faire des headshots. On va recharger avant que celui-ci arrive. Celui-ci qui m'engraine. Alors oui, c'est un jeu où nous n'avançons pas. On doit juste bouger de gauche à droite. Alors c'est très sensible hein, par contre. Hein. Je pense qu'on peut régler ça. Alors, 10 kills du zombie. Alors, ce que j'espère par contre. Et puis là on peut changer de direction parce qu'apparemment ça va venir de ce côté aussi. Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, justement, ça vient de ce côté. On va recharger. On va tout de suite utiliser. On va changer d'arme. Et on va les liquider. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. Ah là, je me fais sèchement avoir là. Apparemment, on a le mode rage. Je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas exactement ce que c'est. Bah, on va l'activer. Ah, c'est pas mal. Quand on est en mode rage, c'est-à-dire que on a une visée améliorée en fait. La sensibilité est réduite et apparemment, on n'envoie que des headshots sur headshots. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est reparti.
Et on y retourne. On va utiliser un soin. On va dire que ça dégomme, hein. Vite rechargé, ça envoie, hein. J'ai plus beaucoup de... Là aussi, ça m'attaque. J'ai même pas... Ouh, on va vite utiliser un kit médical. On va changer d'arme aussi. Ouh. Eh ben, elle était compliquée cette mission, hein. Ouais, parce que ça va comme ça, donc on n'avance pas, on va de gauche à droite, et puis il faut liquider deux zombies possibles pour dégager certaines zones. Non, j'ai pas envie de dire quelque chose. Donc voilà, Dead Target, un jeu entièrement en français qui a de très bons commentaires sur le Google Play Store, et qui prend 169 mégaoctets sur votre téléphone. Il est vraiment excellent graphiquement, il est plutôt pas mal, il est plutôt cool. Je vais essayer la deuxième version, mais d'après les commentaires, la première version... Non, je n'ai pas envie de regarder les annonces. La première version a l'air meilleure que la deuxième. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez dit, mais on peut aussi jouer sans Wi-Fi, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc avancer les missions sans le Wi-Fi. Apparemment, il y a un mode Wi-Fi, enfin communauté, on peut inviter des amis... mais partager les scores, etc, etc. Alors, mon téléphone me dit que j'ai bientôt plus de place pour continuer la vidéo. Je voulais faire encore une petite mission, mais je pense que vous avez pu voir le jeu. Donc voilà, dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo, excusez-moi, vous aurez le jeu à télécharger. Et surtout, si vous testez le numéro 2, n'hésitez pas à lâcher quelques coms pour me donner vos impressions. Donc voilà, alors sur ce, cette vidéo s'achève. Je vous souhaite une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Et on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo gaming sur la chaîne MLHY Gaming Zone. Allez tout le monde, ciao ciao!